Alléluia! Quelle joie de se retrouver! Oups! Yes. What a joy to be with you again! Thank you, Pastor Samuel. Merci, Pasteur Samuel. Thank you, Catherine, as well. Merci à Catherine également. And thank you, Fabienne, for being with me today. Merci à Pasteur Catherine d'être là aujourd'hui. Et aussi à la traductrice. Voilà. You know, with this format of the Sunday service, I've been asked to share in English. Donc, avec ce format de culte, on m'a demandé de partager en anglais. So I thank the Lord that Fabienne will be my echo today. Et donc, Fabienne, je remercie le Seigneur, sera mon écho aujourd'hui. Because I really believe the Lord has something specific to say to us and to deposit in our heart. Et je crois que vraiment le Seigneur a quelque chose de particulier à nous dire aujourd'hui, à déposer dans nos cœurs. We're going to start by looking at two scriptures. Donc on va commencer en regardant à deux passages. And then we're going to pray. Et ensuite nous allons prier. Let's begin with Acts chapter 2 verses 38 to 39. Donc on commence par Acte 2, 38 à 39. I will read it in French. Please follow along in English. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, les parents, et pour tous ceux qui sont au loin. Now we're going to read John 7, 38 to 39. Et à présent, Jean 7, de versets 38 à 39. Encore en français et vous suivez en anglais. Celui qui croit en moi, disait Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Let's pray. Prions. Heavenly Father, thank you for your word. Merci Père Céleste pour ta parole. And thank you for the presence and the power of the Holy Spirit. Et merci pour la présence et la puissance du Saint-Esprit. We are here today because we cherish the Holy Spirit. Nous sommes ici parce que nous bénissons, nous chérissons la présence du Saint-Esprit. Because we love Jesus. Parce que nous aimons Jésus. And because we want to honor you, Father. Et parce que nous voulons t'honorer, Père. So I pray today that you would awaken within us a desire. Alors je prie que tu réveilles en nous un désir. A desire that corresponds to your desire for us. Un désir qui va correspondre à ton désir pour nous. I pray that you would grant us ears to hear. Que tu nous accordes des oreilles qui entendent. Faith to believe. Et la foi pour croire. The grace to put it into practice. Et la grâce de mettre en pratique. And the power to change. Et la puissance pour changer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And everybody said, et tout le monde dit, Amen. Do you know the land of Israel has two seas? Et vous savez peut-être la terre d'Israël a deux mers. In the north part of the country there's the Sea of Galilee. Dans la partie nord, il y a la mer de Galilée. And the Sea of Galilee has an entrance at the north where the Jordan River flows in and fills the sea. Et donc la partie nord, il y a une entrée, le Jourdain entre par le nord de la mer. And then on the south side the Jordan River flows out of the Sea of Galilee. Et la rivière du Jourdain sort par la partie sud de cette mer de Galilée. And it continues south to the second sea. Et donc ce fleuve continue au sud du pays vers la deuxième mer. Now the second sea is called the Dead Sea. Et la deuxième mer s'appelle la mer morte. The same Jordan that flows through the Sea of Galilee comes to the Dead Sea. Et donc c'est ce même rivière le Jourdain qui part de la mer de Galilée descend jusqu'à la mer morte. Now the Sea of Galilee is full of fish. Et la mer de Galilée est remplie de poissons. But in the Dead Sea there is no life. Mais dans la mer morte, il n'y a pas de vie. No fish, no seaweed, aucun no vegetation. Poisson, aucune végétation, rien. Why is that? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Because the Jordan River flows in, but there is no outlet for the Jordan to flow out again. Parce que la rivière du Jourdain entre dans cette mer morte, mais il n'y a aucune possibilité pour que cette rivière ne sorte par le sud de cette mer morte. And the mineral-rich riverbed in which the Dead Sea has filled the water just stays stagnant. Et tous les sels minéraux donc apportés par le Jourdain arrivent dans la mer morte, mais stagnent, restent dans la mer morte. I believe this is for us an illustration of two types of Christians. Et je crois que c'est une illustration pour nous de deux types de chrétiens. The Christians that receive the rivers of living water from the Holy Spirit and give it out. Le chrétien d'abord qui reçoit ces fleuves d'eau vive et qui les donne ensuite. And the other type of Christian that receives so much but never gives it away. Et l'autre type de chrétien qui reçoit beaucoup mais qui jamais ne donne.
There are Christians who receive to give. Il y a des chrétiens qui reçoivent pour donner. But there are others who receive to stagnate. Et d'autres reçoivent mais gardent et stagnent. So what is the Holy Spirit saying to us? Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? If you have to give a message to this, a title to this message, you can say releasing the power of the Holy Spirit. Et s'il faut donner un titre à ce message, c'est libérer la puissance du Saint-Esprit. And God is going to speak very specifically about this. Et le Saint-Esprit va parler très spécifiquement à ce propos. You know, at the beginning of January, I asked the Lord, "What do you want to do in 2021?" Et donc au début de janvier, j'ai demandé au Seigneur, "Qu'est-ce que tu veux faire en 2021?" And I'm going to read to you his answer to me, which I wrote down in my journal. Et donc je vais vous lire sa réponse qu'il m'a dit que j'ai écrit. He said, "My daughter, I want to release a greater measure of my spirit through my people." Ma fille, je veux libérer une plus grande portion, quantité de mon esprit au travers de mon peuple. It is time to make sure you have oil in your lamp. Il est temps de vous assurer que vous avez de l'huile dans votre lampe. This is essential for my return and for every period of transition and every season of harvest. Et donc c'est primordial pour tout, pour mon retour et pour toute période de transition. And every season of harvest. Et toute saison de moisson. To fill your lamps, says the Lord, my children, you must learn to give every time you receive from me. Et pour remplir votre lampe, il faut mon peuple que vous appreniez à donner chaque fois que vous recevez quelque chose. As Pastor Samuel said, right? Giving is a lifestyle. Comme le disait Pasteur Samuel, donner c'est un style de vie. And he continued, in giving, you shall receive more. Et le Seigneur continuait, et en donnant, tu recevras davantage. And thereby discover my fullness. Et ensuite, tu découvriras ma plénitude. That's a powerful word. It spoke so much to my spirit for where we are as a church and as the body of Christ in general. Et donc, ça a été une parole puissante qui m'a parlé en tant que corps de Christ là où nous en sommes et comme le corps en général. You know, it's quite simple. Donc, c'est simple en fait. If you want to be blessed with more, you must learn to give more. Si vous voulez être béni avec plus, faut que vous appreniez à donner plus. There's really no point in praying or even singing, Lord, I want more of you. Ça sert pas grand-chose de prier ou même de chanter, Seigneur, je veux plus de toi. If you're not ready to give away what he's been giving you. Si vous n'êtes pas prêt à donner ce qu'il vous a déjà donné. Rather than being a Christian who is stagnant. Plutôt que d'être un chrétien qui stagne. You know, that's when you're not giving away, that's how you become fruitless and barren and dead, like the Dead Sea. Et quand on ne donne pas, c'est là qu'on commence à devenir stérile, où on ne porte plus de fruits, comme pour la mer morte. So today I'm going to share three principles with you. Donc je vais vous partager trois principes aujourd'hui. Three keys to releasing more of the power of the Holy Spirit. Trois clés qui vont permettre de libérer davantage de la puissance du Saint-Esprit. And when you hear the voice of the Lord today, your faith is going to arise. Et quand vous allez entendre la voix du Saint-Esprit, votre foi va se lever. And if some of you have never received the baptism of the Holy Spirit, you're going to receive that today. Et si vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui, vous allez le recevoir. Because at the end, after the questions and answers, we have individual prayer rooms available to you, as you heard in the announcement. Et après le temps de questions-réponses, il y a des chambres de prière disponibles individuelles pour vous, pour qu'on puisse prier. So, are you ready to make a note of these three principles? Donc, vous êtes prêts à écrire les trois principes? The Holy Spirit is the river of living water, remember? Donc, rappelez-vous, le Saint-Esprit, c'est cette rivière d'eau vive. Now, another biblical image for the Holy Spirit is oil. That's why God said, have oil in your lamps. Et une autre image du Saint-Esprit, c'est également l'huile. C'est pour ça qu'il parle d'huile dans votre lampe. Principle number one. Premier principe. The anointing oil was entrusted to the priests. L'huile d'onction était confiée aux prêtres, aux sacrificateurs. So God is calling you and me to enter into our priestly role. Et donc le Seigneur nous appelle à entrer pleinement dans notre rôle de sacrificateur. The priest was the person set apart to serve God and serve people. Donc ce sacrificateur était quelqu'un de mis à part pour servir Dieu et servir le peuple. Now here's what the problem is in our day. Et le problème aujourd'hui, voilà, est le suivant. There's a little voice in the air. Il y a une petite voix qui nous dit dans l'air. And that voice is trying to deprive you of your ministry as a priest. Cette petite voix essaye de vous priver de votre service en tant que sacrificateur. Trying to deprive you of the presence of God. Et essaye de vous voler, vous priver de la présence de Dieu. For example, that voice might be saying, well, there's a pandemic, or there's lockdown, there's a curfew.
You can't experience the presence of God. Peut-être cette voix vous dit, oh là là, il y a un confinement, il y a un couvre-feu, et on ne peut pas expérimenter la présence de Dieu. The situation today makes it impossible for you to dwell in the presence of God. Oh non, cette situation actuelle ça rend impossible d'habiter dans la présence de Dieu. But my response is this. Mais ma réponse est la suivante. Only if you let it. Seulement si vous le permettez. There is no way that a pandemic or a curfew or a lockdown can deprive you of the presence of God unless you allow it. Il n'y a aucun moyen de ce qu'un confinement, un couvre-feu ou autre vous prive de la présence de Dieu à moins que vous ne le permettiez. And when you realize your true identity as a priest unto the Lord, you will understand this. Et si vous réalisez pleinement votre rôle de sacrificateur devant le Seigneur, vous allez le saisir. It's not a question of, you know, pastors and elders. They're the priests and I'm just an ordinary nobody. Il n'y a pas juste les responsables, les pasteurs et autres qui sont les sacrificateurs et moi je suis juste une petite personne ordinaire. God has given you the privilege and the responsibility as a priest unto him and unto his people. Mais le Seigneur vous a donné ce privilège et ce rôle d'être ce sacrificateur devant lui et devant les hommes. So even in a lockdown or in a curfew, it's because God wants to restore the identity of a priest to you. Et même durant un confinement, un couvre-feu, le Seigneur veut restaurer cette identité de sacrificateur dans chacun d'entre nous. Parents, you are the priest of your household for your children. It's time to rise up and enter into that role. Et parents, vous êtes ce sacrificateur pour votre foyer et vos enfants, il est temps d'entrer dans ce rôle. Now there's another little voice running around in the air. Il y a une autre petite voix qui se balade en ce moment. Somebody's trying to tell you that you can't feel the presence of God in your kitchen or your living room or your bedroom or in front of a camera. Cette petite voix vous dit bien, tu ne peux pas sentir la présence de Dieu dans ta cuisine, dans ton salon ou même devant une caméra. My response is this. Et ma réponse est la suivante. The level of God's presence in my life is not determined by my surroundings, but by my pursuit of him. Donc le fait de ressentir la présence de Dieu ne dépend pas de mon environnement, mais de ma soif, de ma poursuite du Seigneur. My ministry to the Lord does not depend on my context. Donc mon ministère auprès du Seigneur ne dépend pas de ce qui m'entoure. You see, the oil for your lamp is not in a building. L'huile pour votre lampe n'est pas dans l'immeuble, dans le bâtiment. It's in the spirit. C'est dans l'esprit. That's where you go to fill your lamp. C'est là où vous allez pour remplir votre lampe. It's in the presence of God. C'est dans cette présence de Dieu. Think about the ministry of Jesus. Pensons au ministère de Jésus. The day he began his priestly ministry was when the Holy Spirit came on him. Et donc le jour où il a démarré son service de sacrificateur, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur lui. Where was he on that day? Il était où à ce moment-là? At the Jordan River. Il était à la rivière du Jourdain. Outside. À l'extérieur, il était. And he received the baptism of the Holy Spirit. Et il a reçu le baptême du Saint-Esprit là-bas. So, why didn't he go to Jerusalem to the temple right away? Alors pourquoi tout de suite il n'est pas allé au temple à Jérusalem? Or why didn't he go to the local synagogue right away? Ou à la synagogue du coin. That's not what he did. C'est pas ce qu'il a fait. He received the Holy Spirit. Il a reçu le Saint-Esprit. First he went to the desert where he was tempted. D'abord il est allé dans le désert où il a été tenté. And then he went throughout the entire region of Galilee. Ensuite il a parcouru toute la région de la Galilée. From city to city. De ville en ville. From village to village. De village en village. From place to place. De lieu en lieu. From person to person. De personne en personne. From opportunity to opportunity. D'une occasion à une autre occasion. So it was depending on where God sent him that he would exercise his ministry. Et selon là où Dieu l'envoyait, c'est là qu'il exerçait son ministère. You see, the priesthood depends on who you are, not where you are. Le fait des sacrificateurs dépend de qui vous êtes, non pas de où vous êtes. That's why it's so important for you parents to apprehend, to seize this understanding. C'est pour ça, parents, c'est important de saisir ces choses. And we'll probably talk a little bit about that on our Zoom next Sunday after the service for all parents who have children in the MAE. Et donc on en reparlera avec les parents, ceux qui ont des enfants, dimanche prochain sur le Zoom. So, Jesus receives the Holy Spirit, the priestly ministry, and he goes to the desert and to Galilee. Donc Jésus a reçu le Saint-Esprit, il a reçu ce rôle de sacrificateur, aller dans le désert, et ensuite il a prêché en Galilée. And in parentheses, by the way, the season of the desert is always followed by the season of Galilee. Et donc, juste entre parenthèses, la saison du désert est toujours suivie d'une saison de Galilée.
So, if you're in the desert today, have this hope in your heart. Your season of Galilee is coming. Donc, si actuellement vous êtes dans une saison de désert, retenez ça, la saison de Galilée juste derrière. But we come back to the principle. The priest understood that the oil would keep flowing as long as he remained available to God. Donc, il avait compris ce principe que l'huile continuerait à couler tant qu'il était disponible devant Dieu. However, when there are no more vessels to receive the oil, then the oil stops flowing. Et lorsqu'il n'y a plus de canal, l'huile s'arrête de couler. You might remember the widow in 2 Kings chapter 4. She had no more oil in her house except a little bit. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire de la veuve dans 2 Rois 4 qui n'avait qu'un tout petit peu d'huile qui lui restait. And Elisha comes to her house and tells her, bring me more vessels, bring me more vessels. And the oil multiplied and continued. Et Élisée, le prophète, est venu chez elle, et apportez-moi plus de vases. Et l'huile continuait à couler, à couler, à couler. This oil is available to you and to me if we pay the price. Et cette huile est disponible pour vous et moi si on paye le prix. It's time to renew our minds, brothers and sisters. Il est temps de renouveler nos pensées, frères et sœurs. It's time to change our mentality. Et de changer notre mentalité. Become the priest that you are destined to become. De devenir ce sacrificateur que Dieu vous appelle à that être. That God made you to be. Que Dieu vous a fait. Every born again disciple is a priest. Chaque chrétien né de nouveau est un sacrificateur. First to God, then from God to people. D'abord vers Dieu et ensuite de la part de Dieu vers le peuple, vers les gens. God said it. The first time to the people of Israel. Il l'a dit une première fois au peuple d'Israël. One time. Une fois. In Exodus 19, verse 6. En Exode 19, 6. You shall be to me a kingdom of priests. Vous serez envers moi un royaume de sacrificateurs. But he said it in the New Testament two times. Et il l'a dit deux fois dans le Nouveau Testament. To you and me. À vous et moi. Thanks to the cross of Calvary. Grâce à la croix du calvaire. In Revelation 1:6, donc en Apocalypse 1:6, he made us to be a kingdom of priests to his God and Father. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs envers son Père. And Revelation 5:10. Et dans Apocalypse 5:10, you have made them a kingdom and priests to our God. Tu as fait de nous tous un royaume de sacrificateurs devant Dieu. They shall reign on the earth. Et ils régneront sur la terre. If you want to reign over your circumstances, brothers and sisters, you must enter into that priestly role. Si vous voulez régner sur vos circonstances, frères et sœurs, il faut entrer dans ce rôle de sacrificateur. First to God, then envers Dieu. From God to people. Ensuite devant Dieu pour les gens. Every one of us has a priestly ministry before the Lord. Chacun d'entre nous, on a ce rôle, ce ministère de sacrificateur devant le Seigneur. And every one of us has a ministry from God to people. Et chacun d'entre nous a un ministère de la part de Dieu vers les personnes, vers les gens. As it says in 1 John 4:17, as he is, so are we in the world. Comme il est dit dans 1 Jean 4:17, comme il est, ainsi nous serons dans le monde. So that's principle number one, be premier the priest. Principe, être un sacrificateur. Enter into your priestly role. Et entrer dans ce rôle sacerdotal. Principle number two. Deuxième principe. And I'm going to tell you, Fabienne, this is a tough one. Ah, c'est un truc dur, là, elle me dit. Put a guard on your mouth. C'est mettre une garde sur notre bouche. David prayed, Lord, place a guard in front of my mouth. David lui-même dit, Seigneur, place une garde devant ma bouche. So what's the connection between that and the Holy Spirit? C'est quoi le lien avec ça et le Saint-Esprit? I'm glad you asked. Je suis content que vous ayez posé la question. Ephesians 4, 29 to 32. Ephésiens 4, versets 28 à 29. And I will read it again. Please follow along in English as I read in French. On le lit en français, suivez en anglais, s'il vous plaît. The Bible says this. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune, souligné, aucune parole mauvaise ou malsaine. That depends on the version. Mauvaise ou malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. C'est ça, le ministère du Saint-Esprit, édifier. Qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est la continuité. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Listen, if you wonder why you don't see more
of the Holy Spirit released, si vous demandez pourquoi on ne voit pas davantage du Saint-Esprit libéré, start to listen to what you say with your mouth. Commencez à écouter ce que vous dites avec votre bouche. Examine the words coming out of your mouth. Examinez les paroles qui sortent de votre bouche. Is it possible that we have grieved the Holy Spirit by what we say? Est-il possible que nous ayons attristé le Saint-Esprit par ce que nous disons? Now the good news is, if for some reason you have pronounced unwholesome or unhealthy negative words, et la bonne nouvelle, si par hasard effectivement ça vous est arrivé de prononcer des paroles malsaines, négatives ou autres, you can repent, number one, to God, on peut se repentir devant Dieu, but secondly, to the person you said it to. Et deuxièmement, envers la personne à qui on l'a dit. I told you it was going to be hard. Je vous ai dit que ça allait être difficile, ce point-là. And you know, sometimes you've spoken those things over yourself. Et des fois, vous avez même dit ces choses sur vous-même. And your words are actually, instead of producing life, they're producing death and toxicity. Et vos paroles, au lieu de produire la vie, produisent la mort et une toxicité dans votre vie. Of God in us is the spirit of life. Mais le Saint-Esprit en nous est cet esprit de vie. So, when you repent to God and to the person, you can come back and let the river flow from your mouth. Et donc, lorsque vous êtes repenti devant Dieu vis-à-vis de la personne, alors vous pouvez revenir et laisser sortir ces fleuves d'eau vive de vos bouches. Amen. Honestly, Fabienne, I think the two most difficult things for a human being to say are these two things. Et je crois qu'il y a deux choses vraiment que je pense qui est très difficile à un être humain de dire. Ce sont les choses suivantes. Since we're talking about repentance. Comme on parle de repentance. Number one, I am so sorry. Ah, je suis vraiment désolée. And saying it like you mean it. Et de le dire en le pensant. Number two, I was wrong. Deuxième, c'est ah, je me suis vraiment trompée. Ooh, I think I could preach on that a whole day. Je crois qu'on pourrait prêcher sur ce point-là toute une journée. Because it takes courage and it takes humility to say those two things. Parce que ça va demander du courage et de l'humilité de dire ces choses. But the thing is, if we don't do that, then we're hindering, we're blocking the rivers of living water. Mais si nous ne le faisons pas, nous bloquons, nous empêchons ce fleuve d'eau vive de sortir. We're grieving the Holy Spirit. It might be in our friendships. Et donc on attriste le Saint-Esprit, ça peut être dans nos amitiés. It might be in our place of work. Ou peut-être dans notre lieu de travail. It might be in our marriages. Dans nos mariages. It might be in our households with our children. Dans nos foyers avec nos enfants. If we're not ready to say, I am so sorry, I was wrong, please forgive me. Si vous n'êtes pas prêt à dire, oh, je suis vraiment désolée, je me suis trompée, je te demande pardon. The Holy Spirit doesn't have the freedom to move. Le Saint-Esprit n'a pas la liberté d'agir. And you know, even James, like the whole chapter 3 of the book of James, talks about how difficult it is to tame the tongue. Et donc, dans Jacques 3, tout le chapitre parle de combien il est difficile de garder, dompter, merci, notre langue. How many of you know that to be true? Combien d'entre nous le savons? Your tongue will be a source of life or a source of death. Votre langue peut être une source de vie ou de mort. Your tongue will be a source of edification or a source of destruction. Donc, votre langue peut être une source d'édification ou de destruction. So today, starting today, let's start to pay attention to what our mouths are saying. Alors à partir d'aujourd'hui, faisons attention à ce que nos bouches disent. Principle number two is put a guard on your mouth. Donc ce deuxième principe était de mettre une garde sur notre bouche. It's a way of saying I don't want to give any more place to the flesh. Ça veut dire je ne veux plus donner la place à la chair. I want to give all the space to the Holy Spirit. Mais je veux donner toute la place au Saint-Esprit. Because that's what you and I are destined to be. Amen. C'est ce qu'on était destiné à être. We are the carriers of the Spirit. Donc nous sommes ceux qui portons l'Esprit. And we are transmitting or dispensing the Spirit. Et donc on transmet, on répand le Saint-Esprit. And one of the first way that happens is by the words of our mouth. Et une des premières choses par lesquelles cela se passe, c'est par les paroles de notre bouche. Principle number three. Troisième principe. I learned this principle from simply studying the life of Jesus. Et j'ai appris ce principe simplement en faisant une étude de la vie de Jésus. I love Jesus so much. Amen. J'aime beaucoup le Seigneur. I want to be like him. Et je veux être comme lui. He inspires me. Il m'inspire.
And I noticed this as I read the entire chapter of Mark chapter 6. Et donc j'ai remarqué ces choses en étudiant tout le chapitre Marc 6. Principle number 3. Troisième principe donc. Allow disappointment to propel you even further. Et donc permettez à la déception de vous pousser, de vous propulser bien plus loin. That's how you will release more of the Holy Spirit. Et c'est comme ça que vous allez libérer plus du Saint-Esprit. And I reached this conclusion when I read the beginning of Mark 6 and the end of Mark 6. Et je suis arrivée à cette conclusion en regardant le début de Marc 6 et la fin du chapitre 6. So we're going to look at the beginning and the end. On va regarder donc le début et la fin. Mark chapter 6 verses 1 to 6. Donc Marc 6 versets 1 à 6. I'll read in French, so please follow along in English. Jésus partit de là et se rendit dans la patrie, sa patrie, Nazareth, la ville. Hein? Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « Mais d'où vient celui-là? N'est-ce pas vrai que c'est un charpentier? N'est-ce pas vrai que c'est fils de Marie? Et voilà ses frères, et voilà ses sœurs, mais il se prend pour qui ?» Bon, c'est version Baxter. Mais et la Bible dit, Jésus était pour eux une occasion de chute. Ils étaient offensés. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Mais la fin, regardez, il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il impose les mains à quelques malades et les guérit. Et Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Wow! That must have been a huge disappointment for Jesus. Ça a dû être vraiment une déception terrible pour Jésus. Maybe some of you have experienced that kind of disappointment. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez expérimenté ce type de déception. You go home to visit your family, you're all excited about Jesus. Vous allez rendre visite à votre famille, vous êtes enthousiasmé à propos de Jésus. You're ready to pray for everything that moves. Vous êtes prêt à prier pour tout ce qui bouge. And nothing happens. Et rien ne se passe. And everybody's offended. Et tout le monde est offensé. And everybody rejects you like they rejected Jesus. Et tout le monde vous rejette comme ils l'ont fait pour Jésus. But you see, that disappointment didn't make Jesus give up. Mais cette déception n'a pas fait que Jésus a abandonné la chose. He didn't decide to leave the ministry because of it. Il n'a pas quitté le ministère à cause de cela. Look at what happens at the end of the chapter. Regardez ce qui s'est passé à la fin du chapitre. We're just going to read the last four verses, verse 53 to 56. On va lire les trois derniers versets, 53-56. We're still in Mark 6, okay? Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et on s'est mis à apporter les malades sur des lits partout. Ils arrivaient et dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, à la campagne, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement dans les places publiques. Et tout, mais soulignez le mot, tous qui le touchait était guéri. Everybody was healed. Tout le monde était guéri. This was not in the synagogue. Et ce n'était pas dans la synagogue. This was in the public places. C'était dans les lieux publics. Because Jesus looked for every opportunity to bring the power of the Holy Spirit to the people. Parce que Jésus saisissait chaque occasion d'apporter la puissance du Saint-Esprit aux gens. Acts 10:38 says he went from place to place anointed by the Holy Spirit to heal the sick. Et donc acte 10:38 dit qu'il allait de lieu en lieu et qu'il était loin et il guérissait les malades. So in other words, at the beginning of the chapter he was so disappointed, but at the end of the chapter he was twice as powerful. Mais au début du chapitre nous venons voir il était déçu, mais à la fin du chapitre il était deux fois plus puissant. Now this makes me ask the question, what happened between the beginning and the end? Donc du coup je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le début et la fin du chapitre? What progression did the ministry of Jesus go through? Quelle était la progression que le ministère de Jésus a dû traverser? Since the time is short, I'll just summarize it. Donc comme on a peu de temps, je vais résumer. The first thing he did after his disappointment, he sent out the 12 apostles. Première chose qu'il a fait après ses déceptions, il a envoyé ses 12 apôtres. He's sharing
the Holy Spirit. He's sharing the authority. He's sharing the anointing. In other words, he's giving. Il a partagé son onction, il a partagé son autorité, donc il a partagé la oint. And that, to me, speaks so much of what God is repeating since the beginning of the service today. Et cela me parle de ce que Dieu nous dit depuis le début du culte là. We can't receive more unless we give it away. On ne peut pas recevoir davantage à moins que nous donnions. And we don't want to be like the Dead Sea, do we? Et on veut surtout pas ressembler à la mer morte. So that's the first thing. Second thing. Deuxième point. John the Baptist, his close friend, his cousin, was executed. Son cousin, son ami proche, Jean le Baptiste, a été exécuté. So Jesus was actually in mourning. Donc il était en deuil. He was saddened by the loss of his cousin. Il était vraiment attristé par la perte de son cousin. Did that stop him? Ça l'a arrêté? Did that stop the anointing of the Holy Spirit? Est-ce que ça a arrêté l'onction du Saint-Esprit? Did that stop the release of signs and wonders and miracles and healings? Est-ce que ça a arrêté tous les signes et les miracles et les guérisons? Jesus continued. Jésus a continué. He ends up being followed by huge crowds of people. Et au final, il a été suivi par des énormes foules de gens. And at one point, he actually said to his disciples, "Listen, we need to find a quiet place to rest. We don't even have time to eat." Et à un moment donné, il a même dû dire à ses disciples, il faut qu'on trouve un endroit au calme, on n'a même pas le temps de manger. You see, Jesus lived in a world very similar to our world. Donc Jésus a vécu dans un monde assez similaire au nôtre. He was surrounded by needy people. Il était entouré de gens nécessiteux. They were looking for answers. They were looking for solutions. Ils cherchaient tous des solutions, des réponses. Yet, he and his disciples were really tired. Et pourtant, ses disciples étaient fatigués. But that didn't stop him from doing a miracle. Mais ça n'a pas empêché Jésus de continuer à faire des miracles. That was the day that he fed 5,000 people with the bread. C'est là, ce jour-là, il a donné à manger à 5,000 personnes avec du pain. Because he didn't let fatigue slow him down. Parce qu'il n'a pas permis à la fatigue de le ralentir. He didn't let fatigue become an excuse for passivity. Et il n'a pas permis à la fatigue de devenir une excuse à la passivité. Does that speak to anyone? Ça vous parle peut-être dans votre cœur? It's so easy to blame fatigue. Oh, I need to take a break. Ah, c'est facile de dire, ah, je suis fatigué, il faut que je prenne une pause. But that makes you a spectator and not a participant with Mais the Holy Spirit. Mais du coup, vous devenez un spectateur et non plus un participant. Then finally, the fourth thing that happened before the end of the chapter. Et donc, une quatrième chose qui s'est passée avant la fin du chapitre. The disciples get into the boat and they start to cross the lake. Donc, les disciples sont montés sur le bateau, ils ont traversé la mer. And Jesus is on the mountaintop praying all night long. Et Jésus est sur la montagne en train de prier toute la nuit. And here we go, a storm rises up. Et subitement, une tempête se lève. The winds were against the disciples. Et les vents étaient contre les disciples. Just like the storms of life can rise up for us. Tout comme les tempêtes de la vie, des fois, peuvent se lever contre nous. So Jesus decides he's going to go and cross the lake by walking on the water since his disciples took the boat. Et donc Jésus a décidé de marcher sur l'eau pour rejoindre ses disciples puisque eux avaient pris le bateau pour y aller. And I actually saw in the word of God that he was going to walk past them. Et en fait, j'ai vu dans la parole que Jésus avait l'intention de les rejoindre mais de les dépasser. I wondered what was going through his mind. Je me demandais ce qu'il pensait à ce moment-là. Oh, come on you guys, you know how to deal with this? Ou peut-être vous savez comment gérer la tempête les gars. Figure it out. Allez, débrouillez-vous un peu. I have a mission on the other side of the lake. J'ai une mission à accomplir de l'autre côté du lac. Maybe that's what he thought, I don't know. Peut-être ce qu'il pensait, je ne sais pas. The Bible doesn't say. La Bible ne le dit pas. But we do know this. Mais on sait une chose. Finally, maybe out of pity or compassion, he stopped and he got in the boat with them. Peut-être par compassion ou par pitié, il s'est arrêté et il est monté dans le bateau. You see, he was not bothered by the storms of life. Et il n'était pas non plus gêné par les tempêtes de la vie. And the wind stopped blowing and they made it to their destination. Les vents se sont calmés et ils ont atteint leur destination. They pursued the mission God had given them. Ils avaient vraiment poursuivi la mission que Dieu leur avait attribuée. In other words, through all this chapter, we see that disappointment became like a springboard, un tremplin for the ministry of the Holy Spirit. Donc on voit qu'en fait cette déception initiale du chapitre 6 a servi comme un tremplin pour entrer dans cette mission. In the beginning, Jesus was rejected. Au début, il a été rejeté, Jésus. He was disappointed. Et déçu. He was surprised by the level of unbelief. Il était surpris par le niveau d'incrédulité. But he was not discouraged. Mais il n'a pas été découragé. In the beginning, he loses his cousin. He's suffering from the loss of his precious cousin. Au début, on le voit, donc il souffre de la mort de son cousin. So yes, he was disappointed. Oui, il a été déçu. But he wasn't defeated. Mais il n'était pas vaincu.
He was sad, but he wasn't stopped. Il était triste, mais il n'a pas arrêté. Il s'est pas arrêté. In other words, Jesus didn't let rejection or unbelief. Et donc, Seigneur n'a pas permis le rejet ou l'incrédulité. Or loss, or fatigue, or storms. Les tempêtes. Hinder him from releasing the Holy Spirit. Ne l'empêcher de libérer le Saint-Esprit. In the same way, I hear the Father saying to us. Et de la même façon, j'entends le Père qui nous dit. Don't let a pandemic, a curfew, a lockdown hinder you from releasing the power of the Spirit. Ne permettez pas une pandémie, un confinement, un couvre-feu de vous empêcher de libérer le Saint-Esprit. Wherever you find yourself, you have an opportunity to release the river of life. Là où vous trouvez, vous avez l'occasion de libérer cette rivière de vie. Wherever you find yourself, you have the privilege of ministering to the Lord through your worship. Où vous trouvez, vous avez ce privilège de louer, de bénir le Seigneur. You can't use disappointment or fatigue as an excuse anymore. Vous ne pouvez plus utiliser la fatigue ou la déception comme une excuse. You know, the Father in heaven knows what kind of excuses are going through your mind. Le Père dans les cieux, c'est exactement le genre d'excuses qui se passent dans nos têtes. There is no reason for you to remain alone, hiding in your home when the Holy Spirit wants to pour out his fullness. Il n'y a aucune raison que vous restiez seul à la maison alors que le Saint-Esprit veut libérer sa présence. You simply have to walk out those three principles. Et il faut juste travailler ces trois principes. Enter into your priestly ministry. Donc entrer dans ce service, ce ministère de sacrificateur. Put a guard over your mouth. Mettre une garde sur vos bouches. And make your circumstances the springboard to releasing God's fullness. Et permettre à vos circonstances d'être comme un tremplin pour vous projeter dans ce que Dieu a pour vous. That's the kind of person God can use. Et ça, c'est le type de personne que Dieu peut utiliser. Because that's the kind of God that we serve. C'est ce Dieu-là que nous servons. After the questions and answers, après les questions-réponses, you will have an opportunity to have someone standing in faith with you. Vous aurez l'occasion qu'il y ait quelqu'un se tienne à vos côtés dans la foi. Because we've set up the Zoom individual prayer rooms. Parce qu'on a mis sur place des chambres de prière individuelles par Zoom. So in about 30 minutes, you will be able to ask for prayer. Donc en environ 30 minutes, vous aurez l'occasion de demander la prière. Share your burden. Partagez votre fardeau. And very specifically, this is what I want to underline. Et je voudrais souligner ce point-là, et très spécifiquement. In the areas we talked about today. Dans les domaines que nous avons partagés aujourd'hui. Because faith comes by hearing, and hearing by the word of the Lord. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. So you've heard the word of the Lord. Donc vous avez entendu la parole de Dieu. And you will see that it's time to activate your faith. Et donc vous avez vu que c'est le temps d'activer votre foi. So when the prayer rooms open up on Zoom, donc lorsque les chambres de prière vont s'ouvrir sur Zoom, you're going to activate your faith for these three areas. Vous allez activer votre foi dans ces trois domaines. Perhaps you realize, yeah, I have neglected my priestly ministry. Peut-être vous réalisez, oui, j'ai effectivement négligé ce service sacerdotal. So I'm going to activate my faith to enter into the role of priest. Donc je vais activer ma foi pour entrer dans ce rôle de sacrificateur. Before God and from God to people. Devant Dieu et de la part de Dieu devant les personnes. Point number two. Deuxième point. Maybe you need to activate your faith to repent. Peut-être qu'il vous faut activer votre foi pour vous repentir. For unwholesome words. Pour des paroles malsaines, mauvaises. Destructive words. Des paroles de destruction. Maybe today you need to take that step and say, my mouth belongs to you, Lord. Peut-être qu'aujourd'hui vous devez dire, bah, écoutez, Seigneur, ma bouche t'appartient. And even more than that, because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Et même plus à cause de ce principe que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. It's time to say, my heart belongs to you. Il est temps de dire, mon cœur t'appartient. And the third area. Le troisième domaine. If you need to believe, if you're activating your faith to believe for healing from some of the things we mentioned, rejection. Et donc, si vous avez besoin d'activer votre foi pour la guérison dans les domaines qu'on a mentionnés, le rejet, or loss, or fatigue, or disappointment, la fatigue ou la déception, toutes ces choses. If you need a relief from that, si vous avez besoin d'être libéré, soulagé de cela, you will have the opportunity to receive prayer. Vous aurez l'occasion de recevoir la prière. And don't forget, if you have never received the baptism of the Holy Spirit,
Et n'oubliez pas, si vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, the prayer room is also the place where you can have someone pray with you. Les chambres de prière sont également ce lieu où vous pouvez recevoir la prière. But it's up to you to activate your faith. Mais cela dépend de vous d'activer votre foi. The same way you activated faith to receive salvation. De la même façon que vous avez activé votre foi pour recevoir le salut. You're going to activate your faith to receive that baptism, the submersion in the Holy Spirit. Et de la même façon, il faut activer votre foi pour recevoir ce baptême du Saint-Esprit, d'être submergé. It just means asking the Father. Et je veux dire demander au Père. The Gospel of Luke says he won't give a stone to someone who asks for bread. Dans Luc, il nous dit qu'il ne va pas donner un caillou si quelqu'un lui demande du pain. He won't give a snake to someone who asks for fish. Et il ne va pas donner un serpent si quelqu'un lui demande du poisson. How much more so will he give you the Holy Spirit to everyone who asks? Combien plus il donnera le Saint-Esprit à chacun qui demandera? Father, I pray for the power of your word now to captivate every single heart within the sound of my voice. Seigneur, je te demande que maintenant tu saisisses vraiment chaque cœur, Seigneur, aux paroles que je prononce. Let the priesthood of the Almighty God rise up in this nation. Que le sacrificateur, ce ministère se lève dans chacun ici. Let repentance become a lifestyle. Et que la repentance devienne un style de vie. Let the power of God come to heal from rejection and loss. Et que la puissance de Dieu vienne guérir le rejet, la perte. Let the power of God come to raise up those who are tired or discouraged. Et que la puissance de Dieu vienne relever ceux qui sont découragés, fatigués. Make us those sources, those rivers of living water, every place that we go. Et que ces rivières de vie puissent vraiment jaillir partout où nous allons. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Thank you Amen. For listening. Merci de nous avoir écouté. Amen. Gloire Hallelujah. À Dieu. Praise God. Que Dieu soit loué. Well, thank you, Pastor Catherine, for this powerful word. Merci, Pasteur Catherine, pour cette parole puissante. By the time they're going to come and join us, Pastor Catherine and Fabienne and also Pasteur Jean-Pierre. En attendant que Pasteur Catherine, Fabienne, Pasteur Jean-Pierre nous rejoignent. So we would like to just to give you some details. Nous voulons vous donner quelques détails. As Pastor Catherine said that if you need prayer, there are prayer rooms available for you. Si vous avez besoin de prière, comme Pasteur Catherine l'a dit, il y a une chambre de prière qui est valable, qui there est disponible. There are people who are prepared and equipped. Il y a des personnes qui sont prêtes et équipées. They're full of the wisdom and the spirit of God to help you. Ils sont remplis de la sagesse de Dieu, de l'esprit de Dieu pour vous aider. So don't wait from 11 o'clock. You can connect yourself to the chat room. N'attendez pas. Vous pouvez vous connecter au Zoom de prière à 11h30. You know you will have all the information through the chat about connection and etc. Toutes les informations sont dans le chat pour la connexion et tout. So we are here to serve you, so don't wait, go on and receive prayer if you need. Alors nous sommes là pour vous servir et si vous en avez besoin, allez et demandez la prière. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Well, everybody is here. Praise God. Alléluia. Tout le monde est là. Merci Seigneur. What I'm going to do now, I'm going to just change it to French so that Fabienne will be able to translate everybody into English. Voilà, oh. Non, maintenant, on va changer. Voilà, on va passer en anglais. Amen. C'était si merveilleux et si puissant. So it was really a powerful word. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand le message était en train de prêcher, il y a trois alphabets qui m'a vraiment touché. When I was hearing this word, three things actually hit me. C'est le P. The P letter. Le M. The M. Et le D. And D. Vous avez dû comprendre, c'est prêtre. Sacrificateur prêtre. Okay. Amen. Priesthood. La bouche, the mouth, le M et le D, désappointement, c'est-à-dire déception, etc. Disappointment, yes, for the D. Et pendant que Pasteur Catherine m'a parlé avant de commencer à poser des questions, j'espère que vous qui êtes là, vous êtes en train de préparer vos questions, gloire à Dieu. Bienvenue à vous tous, bienvenue Pasteur Jean-Pierre, and bienvenue Pasteur Catherine et Fabienne. Merci. Merci. Hallelujah. Donc, je crois vraiment que c'est une parole de la part de Dieu pour l'Église actuellement. I really believe it's a word from the Lord for the church. Vous savez, pendant que lors de discussion, surtout n'hésitez pas, s'il y a des questions que vous vous posez, qui vous interpellent, que le Saint-Esprit est en train de vous demander, surtout n'hésitez pas. Don't hesitate if you have something, a question on your heart, the Holy Spirit is really touching you, don't hesitate. Et pour ceux qui sont là, n'oubliez pas, donc une fois qu'on aura terminé le live,
Nous allons avoir un temps de prière en live direct avec vous ici même. And for those actually here present in the room, after the live is over, we have a time of prayer for all of you here. Donc ne décrochez pas, restez connectés. So remain connected. Et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit va toucher, va guérir et va libérer. And I really believe from all my heart that the Holy Spirit will heal and touch our hearts. Amen. Amen. Donc nous allons commencer avec temps de questions, bien sûr. So we start our time of questions and answers. Gloire à Dieu. Donc pasteur Jean-Pierre, tu veux bien commencer peut-être avec une question? Oui, tout à fait, je veux bien commencer. Yes, I want. Tout d'abord, merci pasteur Catherine pour ce message, qui pour moi est vraiment le message que l'Église a besoin d'entendre dans ces temps particuliers. Et justement, j'ai une question très pratique parce que j'ai bien aimé la façon dont tu as, parlé du fait qu'on est des porteurs des vases d'huile. And I have a very practical question. I really enjoyed when you spoke about the fact that we are a carrier of oil, lamp oil. Et que un des symboles du Saint-Esprit, c'est justement cette huile. And one of the symbols of the Holy Spirit, it's this oil. Alors moi, j'ai une question très pratique. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, tu as dit, cette huile est disposée à couler pour chacun d'entre nous, so est disposée à couler pour moi. Alors la première partie, j'ai bien aimé, j'ai dit alléluia, c'est pour moi. Après, tu as dit quelque chose pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Donc là, ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose à faire. Donc je voulais que tu me donnes peut-être des choses un peu pratiques sur le fait de... Pour toi, qu'est-ce que c'est payer le prix justement par rapport à cette huile, ce vase qui est toujours disponible. Je vois la notion de payer le prix dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. So I see this paying the price notion in Matthew 25 with the virgin and the oil. On en a parlé brièvement à la fin du culte dimanche dernier. We spoke about briefly last Sunday. Les cinq étaient obligés de procurer, d'acheter, c'est le mot, l'huile. Donc c'était pas gratuit. Five virgins had to buy some oil. It wasn't free. Alors, pour nous, de procurer cette huile, il y a une manière, en fait, très concrète, très biblique, de devenir la vase d'huile. So, there is a very biblical way of becoming this lamp of oil. Nous devons aller à la source et puiser de sa profondeur. We have to go back to the source of this oil and take of the depths. C'est-à-dire que je cultive, jour après jour, une relation approfondie avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. I'm cultivating day after day a deep relation with the Father, with Jesus and with the Holy Spirit. Souvent, on prie au Père, on loue Jésus, mais on oublie que le Saint-Esprit est une personne. And very often we actually pray the Father, we pray Jesus, and we forgot that the Holy Spirit is a person. Donc je veux intentionnellement accueillir le Saint-Esprit, chercher sa présence, sa puissance, ses directives. So I want really in a very intentional way, look for the Holy Spirit, what he has on his heart, his directives, his instructions. Et le deuxième point pour payer le prix, c'est quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. And the second point, to pay the price, something which happened to me this week. Je prenais un litre, une bouteille en verre d'huile d'olive pour faire un repas. I was taking an olive oil, in glass. Et la bouteille s'est cassée sur les carrelages et l'huile est répandue partout dans ma cuisine. And the olive oil broke, the bottle broke on my floor and the oil just spread out everywhere in my kitchen. Alors, deux choses j'ai appris par cet incident. I learned two things through this thing. La première chose, c'était moi-même et la saleté dans ma bouche. I realized what I said was really bad. Principe numéro deux. And second point. Parce que j'ai dit sur moi-même, you idiot! Et j'ai dit, abruti. Non, mais ça sortait tout seul. C'est ça, it came out immediately. Mais c'est une malédiction que j'ai prononcée sur ma vie. D'où vient Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ephesians 4, do not sadden the Holy Spirit. Tout de suite, je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise. Immediately, I realized I made a mistake. Et je me suis repenti. And I repented.
Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir maudit ma propre vie. Forgive me, Holy Spirit, to have cursed my own life. Je ne suis pas idiot. I'm not stupid. À ce moment-là, at this point, le Saint-Esprit se sentait libre de me parler à nouveau. The Holy Spirit felt free to speak to me again. Et il me dit, je vais me servir de cet incident comme une leçon. And he said, I will take this incident as a teaching point. Il me dit, à quel point est-ce que tu es prêt à être brisé pour que mon huile se répande? To which point are you ready to be broken so that my oil will be widespread everywhere? Ça aussi, c'est le prix à payer, mes amis. That's the price to pay. Briser la chair. Break the flesh. The flesh. Mm-hmm. Afin d'émaner plus du Saint-Esprit. So that the Holy Spirit will be manifested more. En tout cas, je partage de mes expériences. Merci pour ce partage. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais juste étendre un petit peu, au fait, Pasteur Catherine, c'est vrai que le fait des fois de dire les choses, surtout étant donné que moi-même je suis prédicateur, d'évoquer ce mot de briser le vase, des fois on peut avoir un peu une pensée un peu tordue de dire que Dieu va nous faire du mal, au fait, pour faire sortir ce qui est bien. Sometimes when we speak about this breaking the vessel, we have this twisted mind that God will hurt us to do this. En fin de compte, c'est plutôt le fait d'aller à l'encontre de toute cette nature qui vient du péché pour pouvoir attaquer cela afin que la nature de Dieu puisse sortir. Actually, it's more to do with to attack the flesh nature of our lives so that the Holy Spirit and the nature of Jesus can come through. Maintenant, je ne sais pas pour vous qui êtes à la maison, je ne sais pas pour vous, tous ceux qui sont là assis autour de moi. Mais j'avais cette pensée-là quand je venais de rentrer dans le corps de Christ. Tout le monde, quand lorsqu'il parlait, le fait d'être brisé, c'est le fait comme si Dieu va me frapper, va me casser en deux, au fait. And I don't know you, perhaps you are watching me from here, but when I became a Christian, the idea of being broken, I was thinking the Lord would break me. Je ne sais pas, est-ce que je suis le seul d'avoir... Am I alone to think that way? On est tous passés par là, Pasteur Samuel. Donc, comment expliquerais-tu donc maintenant, puisqu'on a évoqué cela, cette notion que Dieu va nous briser, il faut que le vase soit brisé. How do you explain this notion that God will break us, that the vessel needs to be broken? Si le vase de chair doit être brisé, entre guillemets, c'est une manière de dire qu'elle doit rester clouée à la croix, n'est-ce pas? So to speak about to break the flesh nature is a way of talking of being nailed to the cross. Et la notion de la croix fait peur. And the notion of cross made us frighten us. Mais si on considère pas la croix en elle-même, mais le fruit de la croix, ça change tout. But if you do not just consider the cross itself, but the fruit which will come out of it, everything changes. On garde les yeux sur la puissance de la résurrection après. We keep our eyes focused on the power of resurrection. Et Jésus lui-même a supporté la croix, selon Hébreux 12, en vue de la joie. And even Jesus in Hebrews 12, it said that he suffered the cross, but he was looking at the joy beyond that. C'est-à-dire qu'il fixait pas son regard sur la souffrance ou la difficulté. He wasn't looking at the suffering or the difficult times. Mais il fait pour nous cet exemple de regarder au-delà. But he was looking beyond that. Regarder plus loin. Further than that. Réaliser que la récompense nous attend. And realizing that the reward is expecting, is waiting for us. Plus je garde ma chair clouée à la croix, plus je vis la liberté de l'esprit. The more I keep my flesh on the cross nailed, the more I will live this freedom of the Holy Spirit. Et c'est une belle récompense. And that's a beautiful reward. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bien sûr. Mais en tout cas, merci, Pasteur Catherine. C'est vrai que des fois, on est à l'église, on entend des phrases qui sont évoquées et c'est bien d'aller dans les détails, au fait, pour expliquer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des chrétiens qui sont de lambda, mais on peut avoir aussi des nouveaux chrétiens qui pourraient
être, on va dire, en conflit avec cette pensée-là. Yes. En tout cas, merci pour ta réponse. So thank you for your answer, because that's true. We have Christian, brand new Christian, who actually would need to have clear answers on those particular points. Je ne sais pas, je n'avais pas pensé à cette question. Peut-être quelqu'un ici ou chez vous, vous avez eu cette pensée, mais... Perhaps somebody had this question, came out like this, this question. Okay. Alléluia. Et sans plus tarder, maintenant, nous allons demander à Catherine si les internautes, ils ont des questions. Donc, peut-être elle a une question pour Pasteur Catherine. Alors, toujours pas de questions de la part des internautes, mais j'ai une petite question. Mais tu as le droit, vas-y. C'est bien. Alors, tu as parlé du ministère de sacrificateur. You spoke about the ministry of, you know, of priesthood. Alors peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire, mais quel est ce profil selon le cœur de Dieu? Quelles sont les qualités de cœur ou les motivations? What should be the motives, the quality of such a priest? Pour être voilà le sacrificateur selon Dieu. Before God. Alors là, vous avez une année d'études approfondies si vous voulez prendre. This subject. Mais si jamais vous poursuivez cette étude, vous allez remarquer des points clés. Donc, if you do this study, you will notice key points. Le sacrificateur était consacré. The priest was consecrated, set apart. Voilà, mis à part pour Dieu. So set apart for God. C'est-à-dire que il s'était imposé certaines disciplines, certaines rigueurs. So he had self-imposed, you know, a particular discipline. Certaines interdictions même. You know, certain things he wasn't allowed to, règles, ruled, yeah, to do. Voilà. Pour justement demeurer dans ce rôle si sacré, si précieux aux yeux de Dieu. The purpose of that was to stay and remain in this particular priesthood in front of God. Et ça reflète le cœur d'un vrai disciple qui suit le maître partout. And this actually shows the heart of a true disciple who actually following the master everywhere. Qui ne se charge pas des affaires de ce monde, de la vie, qui font distraction parfois. He doesn't take care of all the things of the worldly life. Et la motivation dont tu parlais, Catherine, c'est avant tout que Jésus soit glorifié. And the motivation should be that before all that Jesus be glorified. Je préfère choisir ses choix, ses préférences que mes propres préférences. I want to choose his preferences, his choices rather than mine. Ce n'est pas en vue d'exercer un ministère ou de se faire remarquer. It's c'est pas du tout ça. I can have a ministry and be noticed. De pouvoir être agréable aux yeux du Seigneur. To be pleasant to the Lord. Yes. Et d'être pleasing, I think pleasing, is the word. Yes. Pleasing. Et d'être disponible, utile pour notre maître. And to be useful and available for our master. Et pour moi, ce sont des deux clés qui sont la base pour cette identité qui nous appartient finalement. And these are the two key points, which are the foundations of this identity which belongs to us. Un peuple consacré. A people set apart. Un peuple déterminé à glorifier le Seigneur. And determined, you know, to glorify the Lord. Un peuple prêt à se discipliner. And a people ready to get disciplined. Et pour moi, si on commence à cultiver ces qualités-là, and if we do cultivate those qualities, on va entrer très très facilement dans le rôle de sacrificateur. We'll be entering this priesthood very easily. Parce que cela fait partie de notre identité en tant que nouvelle créature. Because that's part of our identity as new creature. Ce n'est pas jouer un rôle ou faire semblant. It's not like to play a role or make believe. C'est reconnaître ce que Dieu a fait de nous. It's to recognize what the Lord made of us. Et entrer pleinement dedans. And enter into it. Ça répond à ta question? Oui, très bien. Et on voit un petit peu comme Pasteur Samuel avait dit lors des dîmes et des offrandes, c'est aussi un style de vie en fait. And it's a style, living style, yes? Yeah, lifestyle. Lifestyle, thank you. Oui, tout à fait. Amen. Bien dit. Bon, Pasteur Catherine, c'est vrai que là, s'il y a un nouveau croyant nous écoute, et est-ce que quand je deviens chrétien, so if a new believer actually is listening to us, when I become a Christian, est-ce que un nouveau croyant devient sacrificateur dès qu'il devient chrétien, ou il a des choses à faire, des réquisitions, des recommandations
pour devenir sacrificateur. So when we become a Christian, do we immediately become a priest, or do we have to do things and do a particular way? Do we have to do something? Je vais répondre en fonction d'un mot que tu as employé. I will reply with a word you actually used. Qui n'a pas été traduit en anglais. Which I did not translate. Tu as dit croyant. Believer. Un nouveau croyant. A new believer. Pour moi, il y a une différence entre un croyant et un disciple. For me, there is a huge difference between a new believer and a disciple. Le croyant, c'est au point de départ. The believer is when at the starting point. Il croit et il reçoit le salut. He believes and receives the salvation. Mais ça ne s'arrête pas là. But it doesn't stop there. C'est le déclencheur de toute une progression et une sanctification. At the starting point of all a walk, a sanctification walk. Et au début, le nouveau croyant ne va pas forcément reconnaître cette nouvelle identité du sacrificateur. And at the beginning, a new believer will not immediately identify this new identity of priest. Mais le croyant qui décide de devenir disciple va y entrer. But the believer who actually decides to become a disciple will enter into this priesthood. Pour moi, un croyant, c'est adhérer à une doctrine ou une vérité, sans plus. A believer is just to adopt, to receive a doctrine, a truth. Mais le chrétien, c'est un disciple. But the Christian is a disciple. Et quand le chrétien réalise son identité de disciple, il va poursuivre cette identité de sacrificateur. And when the Christian actually understands this identity of disciple, he will pursue and reach this priesthood identity. Ça peut commencer le jour de ta conversion. And it can begin the day of your when you are newborn. Tu n'es pas obligé d'attendre un an. And you are not obliged to wait for another year. Tu n'es pas obligé de passer d'abord par l'école de disciples. And you are not obliged to go through the Bible school. Mais avec la révélation de Dieu, tu commences à réaliser ce que Dieu a fait de toi. But with the revelation of God, you realize what God made you. Okay. Et ça peut être le jour même, le lendemain ou une semaine plus tard. It could be the same day, the next day, or a week later. Tant que tu poursuis le Seigneur. As long as you are pursuing and, you know, catching the Lord. Tant que tu plonges dans sa parole. As long as you are deep in his word. Tu vas devenir ce que Dieu a fait de toi. You will become what the Lord made of you. Ça répond à ta question? Amen. Bien sûr, bien sûr. Yes, j'ai bien aimé ce que tu as dit, d'ailleurs, le mot identité, au fait. I like the word identity. Parce que quand tu l'as évoqué, ça me fait penser à une semence, au fait, une graine. I'm thinking then a small seed. Des fois, on regarde une graine, on se dit, oui, mais ça n'a pas d'importance. En fait, dans cette graine est renfermé tout un arbre et des branches et des tonnes de fruits qui peuvent rapporter d'autres arbres. And you, when you look at the small seed, you say, it's not very important, but actually there is the tree there, there are fruits in there, potentially. En tout cas, franchement, merci, parce que moi-même, je suis réconforté. J'espère que cela vous encourage, vous donne des clés pour pouvoir marcher avec Dieu et grandir avec Dieu. Myself, I'm really comforted and strengthened. I hope that for you the same, it gives you keys, you know, for your walk. Vous savez, je crois de tout mon cœur que ce que Pasteur Catherine a dit dès le début, vous savez, il n'y a pas que les professionnels dans le ministère, mais chaque croyant et chaque croyante doit prendre sa place aujourd'hui au 21e siècle. As Pasteur Catherine said earlier, it's not the matter of leaders and pastors, but each believer has to take his position today. Au fait, on est tout simplement votre coach pour vous aider à faire votre discipline, au fait. We are just like coaches and help you to become disciplined. Donc, prenons notre place en tant qu'une église. Just take our position as a church. Prenons notre place en tant que croyants et croyantes dans la société aujourd'hui. And take our position, a place as a believer in the society today. Ne passez pas à côté de ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire et veut faire en vous et surtout au travers de vous. Don't miss what the Holy Spirit is actually trying to tell you and what he wants to do in you and through you. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire, c'est tellement précieux. Je dis toujours, j'aime ces moments-là. On sent vraiment que le Saint-Esprit est en train de travailler dans nos cœurs. I like those moments because we really feel that the Holy Spirit is working deep in our hearts. Néanmoins, peut-être tu es là en train d'écouter, tu dis, je dois prier avec quelqu'un. Perhaps you are here, you're listening to us, and say, I have to pray with somebody. On veut te rappeler qu'il y a des chambres de prière qui sont disponibles via Zoom
connecte-toi, il y a des personnes qui seront là pour t'accueillir pour la prière. We want to remind you that there are prayer rooms via Zoom. People are ready here to help you and pray with you. Peut-être tu veux donner ta vie au Seigneur. Perhaps you want to give your life to the Lord. Peut-être tu veux reconsacrer ta vie au Seigneur. Perhaps you want to give your life again and consecrate it. Peut-être tu sens tellement de choses qui se passent à l'intérieur de toi, tu te dis que tu es peut-être à côté de personnes qui ne te comprennent pas, tu as envie de parler avec quelqu'un qui pourra te comprendre et t'aider. Perhaps there are many things in you which are moving and you are surrounded by people who do not actually understand you and you want to share with somebody who does understand you. Ces chambres de prière sont là pour t'aider, n'hésite pas. Those prayer rooms are here to help you, do not hesitate. Et soyez rassurés, mes amis, parce que ce sont des salles individuelles par Zoom. Amen. Et vous avez toute la liberté de parler en confidentialité. Yeah, don't be afraid. There are very separate rooms and there is confidentiality, no problem. Hallelujah. Je voudrais revenir sur un point, Pasteur Catherine, qui m'a vraiment interpellé. I would like to come back to one point which really struck me. C'est le troisième point, en fait, la façon dont tu traites la déception. The third point, the way you actually dealt with this. D'avoir ce toupet de dire de faire de la déception un tremplin. To be bold enough to say that deception is a spring. Et moi, j'avoue, j'ai pas maîtrisé, donc il faut que la question soit. Non, simplement, en fait, même de voir que Jésus, en fin de compte, a pris la déception et s'est servi de tremplin pour la déception. So to see that Jesus actually took this deception. Donc pour moi, c'est vraiment une perspective intéressante parce que tous, on est passé par la déception, n'est-ce pas? Yeah, everybody of us experienced that in the past. Et certainement qu'on repassera aussi vers la déception dans les prochains jours. Donc ma question, c'est de savoir comment, pratiquement, est-ce que tu as un conseil à nous donner pour quelle attitude avoir devant la déception pour que justement cette déception soit un tremplin et non pas quelque chose qui nous écrase ou nous disqualifie. And what would be your advice, you know, when we are facing disappointment, so that this disappointment becomes a springboard and not just, you know, a hole for us, a trap. Je peux vous donner un exemple de ma vie personnelle. I can give you a personal example. Le mois dernier, ma fille aînée a fait une chute très, très grave. Last month, my eldest daughter fell very. Et elle a subi les conséquences, une petite intervention chirurgicale et tout va bien. She had to go to the hospital and had operated, but everything is fine now. Mais sur le coup, j'étais. But on the spot, when this happened, qu'est-ce qui se passe là? I said, what happened? Je prie pour mes enfants, Seigneur. I pray for my kids. Comment ça se fait? How is that possible? Que ça s'est produit? That happened. Alors, tout d'un coup, au fond de moi, ça vient du Saint-Esprit, ça vient pas de moi. All of a sudden, something deep in me comes from the Holy Spirit, not from me. Jaillit et me propulse à prier pour tous les parents et tous les enfants dans notre église comme jamais. Comme jamais. Something sprang out and I wanted to pray for the parents of our churches and the kids and the children of our churches like never before. Et c'est comme le Seigneur a élargi mon sphère d'influence dans la prière par cette déception. It's like through this disappointment the Lord actually enlarged my sphere of influence in prayer. Après le choc initial, la colère contre l'ennemi. After the first shock, I was so angry against the enemy. J'étais prêt à dire, tu n'auras pas les enfants de cette église. I was ready to say, you will not get the children of this church. Et pourtant, j'aurais pu vraiment me noyer dans la pitié de soi, dans la souffrance de l'affaire. Il n'y a rien de pire pour une mère. I would have experienced self-pity because there is nothing worse for a mom, you know, to experience that with a child. Mais c'est là que j'ai compris, ah non, il y a une mobilisation à effectuer qui va avoir un impact encore plus grand. No, because I realize, no, get mobilized because there will be an impact, a larger impact in the church. Et ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est quand tu es près de son cœur, tu commences à comprendre. Amen. And this comes from the heart of the Lord. When you are near to his heart, you understand that. Tu réalises que lui, il voit loin. You realize that the Lord is looking very far, is watching large. Il voit beaucoup plus grand et il est prêt à agir de manière plus grande que tu réalises. And he's ready to act and move in a larger way than you do realize at that point. Donc, au lieu de focaliser sur soi-même et sa souffrance,
tu inclines l'oreille, tu l'écoutes, tu laisses jaillir en toi la présence de Dieu. So instead of just get centered to your own suffering, you just lean your ear to the Lord and you're listening what he's saying. Ça répond à... Ah oui, gloire à Dieu. Amen, amen. Merci, Pasteur Catherine. Je pense que c'est une bonne transition. Nous allons rentrer dans un temps de prière. So that's a good transition. We're going to pray now. Donc avant de commencer à prier, j'aimerais juste donner une info très importante à tous les parents que vous avez des enfants au ministère, à la MAE. Donc, before we start, actually, I would like to have a very important announcement for all the parents who have children at the MAE. Donc, tous les parents que vous avez des enfants dans la MAE, vous avez rendez-vous dimanche 31, une réunion Zoom. So you have a meeting next Sunday the 31st, a Zoom meeting. Donc de midi à 13h30. From noon up to 1:30 in the afternoon. Si vous voulez plus d'infos concernant cette réunion, n'hésitez pas à écrire mae@lebonberger.net. Donc, if you want some more information, just write a mail to mae@lebonberger.net. Donc, surtout, n'oubliez pas, vous avez un rendez-vous avec l'équipe MAE ainsi que les anciens de l'Église pour une réunion Zoom. So, parents, do not forget, you have a meeting next Sunday with the MAE team and the elders of the church for your kids. Amen. Et nous allons commencer à entrer dans le temps de prière. And we're going to pray now. Donc, que je vais laisser à Pasteur Catherine de commencer. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Merci pour your work. Merci pour ta parole. And for your word. Merci pour l'efficacité de ton Esprit Saint. And thank you for the efficiency of your Holy Spirit. Que tu libères maintenant pour toute personne à l'écoute de ce message. That you are releasing now for everybody who's actually listening to this message. Tu libères la révélation. You are releasing revelation. Tu stimules la motivation. You're just burning the motivation. Et tu fais tourner ta face envers chacun de tes enfants bien-aimés. Amen. You turn your face towards each one of your beloved children. Parce que tu as fait de nous tes sacrificateurs. Because you made of us your priests. Et tu as choisi de déverser sur nous ta bénédiction. And you choose to pour out your blessing upon us. Non seulement pour nous gâter. Not just to, you know, give us good things. Mais pour faire de nous des sources de bénédiction. To make us sources of blessings. De lieu en lieu. From place to place. De personne en personne. Person to person. D'opportunité en opportunité. Opportunities, opportunities. Seigneur, aujourd'hui, merci de réveiller cette conviction dans nos cœurs. Amen. Thank you, Lord, to waken up this conviction in our hearts. Et de mobiliser ton peuple. And to get your people mobilized. Pour élargir ton royaume. To enlarge and spread your kingdom. Et pour libérer davantage la plénitude de ton esprit en tout lieu. And to release further the fullness of your presence everywhere. Au nom de Jésus. In the Jesus name. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Thank you Lord for your word. Merci Seigneur pour cette parole puissante que tu as plantée dans le cœur de chacun d'entre nous. Thank you for this powerful word you planted in our hearts. Et Seigneur, je prie que toutes les semences que tu as mises dans nos cœurs ne soient volées par rien ni par personne. And I pray that all the seeds you planted in our hearts will not be stolen away by anybody. Mais au contraire, que nous utilisions ces révélations pour être les personnes que tu as prévues que nous soyons. But instead, we will use those revelations to become the person you want us to be. Des sacrificateurs pour Dieu ton Père. And priests for God our Father. Merci Seigneur pour l'épée que tu as mis dans notre bouche. Thank you Lord for the thought you placed in our mouth. Cette épée, ces paroles qui apportent la vie, Seigneur. This thought and the words which are bringing life. Alors que nous collaborons avec le Saint-Esprit qui est en nous. When we are actually working together with the Holy Spirit in us. Seigneur, je prie pour une plus grande conscience de ta présence dans nos vies. And I really pray that we have a better awareness of your presence in our lives. Une plus grande conscience, Seigneur, de l'impact de nos paroles sur nos vies et sur la vie de nos bien-aimés. And better awareness of the impact of our words on our surroundings and families. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous nous fassions cet effort cette semaine et les jours à venir. And I pray that each one of us today and the week to come that we make the effort de collaborer avec ton Saint-Esprit en prononçant des paroles de vie. That we will be working together with your Holy Spirit and pronouncing words of life. En mettant vraiment cette garde devant notre bouche, Seigneur. That we will be placing this guard on our mouth.
Parce que nous avons été appelés à bénir et non pas à maudire. Because we were called to bless and not to curse. Que ce soit notre propre vie ou la vie de nos bien-aimés. Our own lives or the lives of our beloved ones. Seigneur, fais de nous des personnes qui bénissent tout le temps. Make us a person actually blessing all the time. Yes. Et merci, Seigneur, pour cette nouvelle vision, cette nouvelle perspective que tu nous donnes devant l'adversité. And thank you for this new vision, this new way of thinking and facing adversity. Que l'adversité, la déception soient une opportunité de grandir. That the adversity and disappointment is an opportunity to grow. Et de répandre ton règne, Seigneur. And to spread out your kingdom and reign. Et de faire un pied de nez, Seigneur, au diable. And just to pied de nez to the devil. En étant ces hommes et ces femmes que tu as prévu que nous soyons remplis de ton esprit. Because we'll be becoming the person you want us to become and filled by your Holy Spirit. Et porteurs de ta paix et de ta présence. And carry of your peace. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Catherine va juste faire une prière et nous allons clôturer. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Last prayer and then we'll be finished. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. And thank you Lord for your word today. Merci Seigneur pour ton huile précieuse et fraîche que tu veux déverser sur ton peuple ce matin. Thank you for your oil, your fresh oil you want to pour out on your people today. Oui, c'est une huile de joie, ta parole dit. Yes, it's a joyful oil. Et c'est une huile rafraîchissante. And which is refreshing us. Et c'est une huile que tu veux déverser encore et encore et encore dans nos vies. Pour all this oil over and over and over in our lives. Et fais de nous vraiment, Seigneur, des réceptacles. And make us vessels. Toujours vraiment disposés, disponibles et désireux de recevoir ton huile. Available and desiring your oil. Mais pas seulement ça, Seigneur, parce que tu veux aussi que nos coupes débordent. But you want our cups to overflow. Alors Seigneur, vraiment que cette huile déborde aussi de nos vies pour qu'elle soit aussi une onction de bénissante. Amen. So that this oil may overflow in our lives, so that it may become a blessing. Et libératrice pour notre entourage. And we'll set free our surroundings. Par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, Amen. The Holy Spirit, Amen. Amen, Amen. Nous vous remercions pour votre présence. Thank you for your presence. N'oubliez pas les parents, donc rendez-vous pour la réunion avec la MAE et les anciens le 31 de midi à 13h30. And do not forget parents, next Sunday you have a meeting from 12 to 1:30 with all the leaders and the MAE team. Notre prière pour vous, que la face de Dieu brille sur vous et que sa paix vous accompagne. Juste une dernière petite annonce. A last announcement. Nous avons ouvert à partir de samedi dernier notre réunion d'intercession par Zoom. From last Saturday, we have started a new prayer time with Zoom. Qui remplace le temps de prière que nous avons le dimanche matin. Which is replacing the time of prayer we have normally on the Sunday morning. Et vraiment hier, on a passé un temps formidable dans le Seigneur, une heure formidable. And yesterday, we had a marvelous time all together for one hour. Donc, je vous encourage à nous rejoindre ce samedi. And I encourage you to join us this next Saturday. De 19h à 20h pour prier pour la réunion et pour qu'on ait notre réunion de prière par Zoom un peu plus interactive. Je laisse le mot de la fin au pasteur Samuel. Amen. Merci parce que Jean-Pierre, c'est vrai que j'ai loupé cette information. Et c'est vrai que même moi, j'ai écrit au culte jour, je leur ai dit franchement, c'était un moment formidable. Donc, rendez-vous samedi, que Dieu vous bénisse. Nous vous faisons des gros bisous et nous vous disons bonne semaine et à très bientôt. Bye bye. See you. Alléluia. Gloire à Dieu.